Bonjour, donc aujourd'hui je vous propose cette jolie maison de 83 mètres carrés de plein pied sur un terrain de 5,3 arts situé au fond d'une impasse. Donc on est vraiment dans un endroit calme et agréable. On va aller visiter cette sympathique maison. Donc on va commencer par l'extérieur. Vous avez plusieurs espaces bien définis et arborés avec ici un olivier, un palmier. Un espace qui jusque-là était dédié en été à la pose d'une piscine posable ou alors d'un spa gonflable. À l'arrière, on retrouve des arbres fruitiers, un espace de stockage pour le bois. Et de ce côté, un espace potager avec deux serres. Et à l'arrière, encore derrière la deuxième, nous avons un cabanon qui permet à ce jour de ranger une moto ou des accessoires de jardin. Le balcon, avec une grande baie vitrée qui va apporter beaucoup de luminosité à la pièce à vivre. Et nous allons découvrir l'intérieur. Pour y arriver quelques marches, on arrive sur une terrasse très sympa qui viendra agrandir votre pièce à vivre en été avec une vue imprenable sur le château d'Issembourg. Terrasse qui est exposée plein sud. Voici donc la pièce à vivre. On arrive directement dedans en passant la porte, très lumineuse, avec ces grandes baies vitrées, comme je vous le disais, qui donnent donc sur le balcon, qui est en prolongement de la terrasse. Donc dans le salon séjour, on a le poêle à bois qui va venir chauffer la maison, ainsi qu'une clim réversible que vous voyez au-dessus. Il y en a une dans le salon, une dans la cuisine, ainsi qu'une dans une des chambres. La cuisine séparée et équipée. Elle dispose de deux fenêtres et d'un espace repas où on s'installera aisément à 4 voire 6 personnes. En repassant par l'espace de vie, on arrive au couloir qui va desservir la salle d'eau. Alors une salle d'eau avec une grande douche, c'était un choix parce qu'il y aurait possibilité éventuellement de la remplacer par une baignoire. Il y a vraiment la place. La première chambre, donc des chambres qui font entre 9 et 11 mètres carrés, il y en a donc 3. Nous avons ici une chambre qui jusque-là faisait office d'atelier. Une possibilité aussi d'en faire un bureau. Et donc voici la troisième chambre, plus en longueur, c'est aussi la plus grande. Avec un espace qu'on pourrait tout à fait imaginer transformer en dressing. Donc on a dans le séjour, donc à l'entrée, on a ici deux rideaux, un qui va cacher un petit dressing qui permet de se défaire tout de suite à l'entrée. Et le deuxième a été transformé en petit salon d'internet et d'informatique.
le petit plus. Donc là, on a vraiment 83 mètres carrés de plein pied. Et cet escalier va nous mener à une chambre qui n'est pas comptée dans la surface habitable, puisqu'on est sur une pièce semi-enterrée, donc avec tout de même des ouvertures, des petites fenêtres. Mais ici a été aménagée une belle chambre d'environ 20 mètres carrés avec un dressing qui est également très sympathique. Et où vous aurez bien frais l'été. Adjacente à cette chambre, une cave. Alors où vous aurez la possibilité, pourquoi pas, d'installer une pièce, une petite salle douche, de douche pourquoi pas, avec la chambre à côté pour la rendre indépendante. Ce bien se compose également d'un garage. Un garage, une voiture, et avec possibilité à l'extérieur de garer trois véhicules supplémentaires. Voilà, on va retourner dans le séjour pour terminer cette visite de cette charmante maison avec son extérieur qui n'attend plus que vous.